Remplir votre fiche. Moi aussi. C'est l'usage. Toujours la paperasserie. Tenez, mon ami, un petit pourboire. Inutile, madame. C'est un louis d'or. Inutile. Je vous en prie, pour me faire plaisir. Laissez-moi tranquille. Elle a raison, mon pote. Si tu es là, c'est pour très catholique. Alors, sans profession, c'est pas bien, c'est pas permis. Mettez souteneur. Dites donc, qu'est-ce que vous croyez? Rien, monsieur. Mais à l'endroit où nous sommes. Monsieur, est-ce que vous avez toujours affaire à des résignés? Plaît-il? Je ne sais jamais trouver personne pour vous dire bonsoir et passer cette porte. C'est arrivé quelquefois. Et alors? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous jetez sur lui? Vous l'empêchez de partir? Tous nos clients sont libres. Ah. Bonsoir, je m'en vais. Ça va. J'aurais dû m'en douter. Si monsieur veut se donner la peine d'avancer. Donnez-moi le registre des réclamations. Ici, ça n'existe pas. Comment? Mais je suis général. Un général qui a gagné deux guerres. Qu'en pensez-vous? Ça doit faire beaucoup de morts, tout ça. Mon général. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Si on traite ainsi les vainqueurs, que fait-on des vaincus dans votre administration? Je ne sais pas. J'ai de la chance de tomber sur quelqu'un qui aime la discipline. Alors qu'est-ce que je mets? Mort au champ d'honneur? Non. Crise du Rémy. Mais dépêchons-nous. Prise pour une autre. Je ressemble à quelqu'un que vous connaissez? De dos. Mais vous êtes jolie aussi. Merci. Dis. Tu n'as pas remarqué une jeune femme très mince avec un petit air timide? Vous savez, des timides, des effrontés, des brunes, des blondes, des rouquines. Il y en a pour tous les goûts. Conduisez, monsieur et mademoiselle. Pardon, monsieur, je m'excuse de vous interrompre, mais je suis certaine que vous allez pouvoir m'aider.
Nous sommes à votre service, mademoiselle. Madame. On ne le dirait pas. Je suis victime d'une petite erreur qu'il doit être facile de réparer. Vous n'êtes pas la seule dans votre cas, madame. C'est ce que monsieur essayait de m'expliquer. Beaucoup de personnes se croient ici par erreur. Parfaitement, par erreur. Par erreur, parfaitement, par erreur. J'ai 60 ans, monsieur. J'étais principal de collège. J'ai toute une vie derrière moi. Toute une vie de droiture, d'honnêteté. Vous voyez, le général est sûrement un héros de la guerre. Et moi? Ne craignez rien. S'il y a la moindre erreur, nous avons le temps de la réparer. Nous avons tout le temps. Monsieur, si vous voulez bien. Conduisez monsieur au 32. Dites, vous n'auriez pas ici un nommé Montsouris, un divisionnaire? Nous avons beaucoup de monde. Né le 1er mai 1917... Arrivez-le. Tout à l'heure. Et quelle heure? Je ne sais pas, à l'aube. Mettez 6 heures. Dis donc, vieux, qu'est-ce qu'on fait ici toute la journée? Hein? Oui, c'est comme une maison de repos. Si vous voulez. Oh, tu peux me tutoyer. Si tu veux. T'as pas l'air de... Je suis fatigué. Le service est si long. Conduisez, monsieur, au Sèvres. Je cherche une amie à moi. Pouvez-vous me dire si elle est arrivée? Quel nom? Florence. Florence Langlois. Nous n'avons pas ce nom-là. Elle doit être là. C'est sûr. Mais elle peut arriver d'un moment à l'autre. Mais je la trouille. Il fallait y penser plus tôt. C'est grand. C'est immense. Alors voilà. Et voilà. C'est comme ça. Comme ça. Pense à la longue, on doit s'habituer aux meubles. Ben, ça dépend des personnes. Est-ce que toutes les chambres sont pareilles? Oh, pensez-vous. Mais qu'est-ce que vous voulez que des Hindous ou des Chinois fassent de canapé Second Empire? Et moi, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Savez-vous qui j'étais? Oh, aucune importance. C'est vrai, après tout. Je vivais toujours dans des meubles que je n'aimais pas et des situations fausses. J'adorais ça. Une situation fausse dans une salle à manger Louis-Philippe, ça ne vous dit rien? Ouais, vous verrez, dans un salon Second Empire, c'est pas mal non plus. Ah, bon, 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 bon. Tout de même, je ne serais pas attendu. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'on raconte là-bas. Et sur quoi? Eh bien sûr. Tout ça? Oh. Mais comment pouvez-vous croire ces âneries? Des personnes qui n'ont jamais mis les pieds ici. Car enfin, s'ils y étaient venus. Hein? Et oui. Où sont les instruments de torture? Les quoi? Les pales, les grilles, les entonnoirs de cuir. Oh, alors là, vous voulez rire. Ah? Ah bon?
Non. Non, je ne voulais pas rire. La glace. Je ne me vois plus. Où suis-je? Où êtes-vous? Mais ici. Mais qu'est-ce que vous voulez voir, puisqu'on n'existe plus? Pourquoi cette glace, alors? Pour faire joli. Et la fenêtre? Pas de fenêtre, naturellement. Si. Si. Derrière ces rideaux. On peut voir? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est affreux! C'est comme ça? Et alors? Alors c'est là-dedans que je vais être obligé de vivre? Oh, vivre! C'est beaucoup dire dans votre situation. Mais je n'ai rien, même pas une brosse à dents. Ah, ça y est, voilà la dignité humaine qui vous revient. C'est formidable, ça. Je vous prie de m'épargner vos familiarités. Je n'ignore rien de ma position, mais je ne supporterai pas que vous... Oh, bon, excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Tous les clients posent la même question et ils s'amènent là où sont les instruments de torture. Alors là, je vous jure qu'ils ne songent pas du tout à faire leur toilette. Et puis dès qu'on les a rassurés, ça y est, la brosse à dents. Bon, enfin, mon Dieu, quoi. Vous ne pouvez pas réfléchir. Enfin, je vous le demande. Mais pourquoi vous laveriez-vous les dents? Oui, en effet. Pourquoi? Et pourquoi se regarderait-on dans les glaces? Tandis que le bronze... Mais... À la bonne heure. Non, 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 je vous dis que je n'ignore rien de ma position. C'est quand même pas une raison quand on arrive ici pour se trouver devant ça. Un bronze de chez Barbedienne. Oh, ça vaut de l'argent, hein? Pareil que ça plaît beaucoup, là-bas. Quel cauchemar. Je regarde la situation en face. Pas de glace. Pas de brosse à dents. Et pas de lit non plus. Car on ne dort jamais, bien entendu. Bah voyons, c'est évident. Je l'aurais parié. Pourquoi dormirait-on? Pourquoi dormir si on n'a pas sommeil? Alors je ne dormirai plus. Comment pourrais-je me supporter? Essayez de comprendre. Faites un effort. Là-bas, je dormais. J'avais le sommeil douillé. Fait-il jour? Vous voyez bien, les lampes sont allumées. Parle, c'est ça votre jour. Et dehors? Dehors? Oui, dehors, dehors, de l'autre côté de ces murs. Il y a un couloir. Et au bout de ce couloir? Ben, il y a d'autres couloirs, d'autres chambres, puis des escaliers. Et puis? Ben, c'est tout. Ben, vous avez bien un jour de sortie, où allez-vous? Ben, je vais chez mon oncle, il est chef des garçons du troisième étage. Mais où est l'interrupteur? Il n'y en a pas. Alors, on ne peut pas éteindre? La direction, elle, peut couper, mais... ne me rappelle pas qu'elle l'ait fait à cet étage-ci. Très bien. Alors, il faut vivre les yeux ouverts. Oh, vivre? Oh, n'allez pas me chicaner pour une question de vocabulaire. Les yeux ouverts. Pour toujours. Il fera grand jour dans mes yeux... et dans ma tête. Mais si je balançais le bronze dans le lustre, est-ce qu'il s'éteindrait? Mais il est trop lourd. Vous avez raison. Il est trop lourd. Bon, ben, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais vous laisser. Vous vous en allez? Oui. Attendez. C'est une sonnette, ça? Oui. Je peux vous sonner quand je veux, vous êtes obligé de venir. En principe, oui, mais ça sert à rien. Parce qu'elle est capricieuse, comme elle a quelque chose de coincé dans le mécanisme. Elle marche? Elle marche. Ah, oh, ça, c'est pas ordinaire. Ben, vous savez, vous emballez pas, hein. Ça va pas durer. Elle est à votre service. Hein.
bien sûr, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez bien, c'est un coup de papier. Il y a des livres ici? Non. Alors, à quoi sert-il? C'est bon, allez-vous-en. À me poser. Non, parce que d'ordinaire, les clients aiment à se renseigner. Oh, bon, j'insiste pas. D'ailleurs, pour la brosse à dents, la sonnette et le bronze de Barbedienne, monsieur est au courant. Il répondra aussi bien que moi. Où est Florence? Florence? Je connais pas. C'est tout ce que vous avez trouvé, la torture par l'absence. Eh bien, c'est manqué. Mais je vous connais, je vous ai déjà vu. Dans le hall. Alors vous êtes... Je crois bien que nous sommes logés à la même enseigne. Madame... Inès Serrano. Mademoiselle. Joseph Garcin. Publiciste et homme de lettres. Mais puis-je vous demander, pour qui m'aviez-vous pris? Mais pour le bourreau. Ah, très bien. Parfait. Eh bien, la glace est rompue. Ainsi, vous me trouvez la mine d'un bourreau. Et à quoi les reconnaît-on, les bourreaux, s'il vous plaît? Ils ont l'air d'avoir peur. Peur? C'est trop drôle. Et de qui? De leur victime? Allez, je sais ce que je dis, je me suis regardée dans la glace. Dans la glace. C'est assommant, il y en a une ici, mais on ne s'y voit pas. En tout cas, je peux vous affirmer que je n'ai pas peur. Ça vous regarde? Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps d'aller faire un tour dehors? La porte est verrouillée. Tant pis. Oh, écoutez, je comprends très bien que ma présence vous ennuie. Et personnellement, je préférerais rester seul. Il faut que je mette ma vie en ordre. Pourquoi faire? J'ai besoin de me recueillir. Vous gênez pas pour moi. Oh, je suis sûr que nous pourrons nous accommoder l'un de l'autre. Je ne parle pas, je ne remue guère et je fais peu de bruit. Je m'en moque. Seulement, si je peux me permettre un conseil... Il faudra conserver entre nous une extrême politesse. Ce sera notre meilleure défense. Je ne suis pas polie. Ce sera donc pour deux. Vos ongles. Plaît-il? Vous avez bientôt fini de vous ranger les ongles? Donc pardon, je ne me rendais pas compte. C'est bien ce que je vous reproche. Vous prétendez être polie, vous vous laissez aller. Vous n'êtes pas seul. Et vous n'avez pas le droit de m'afficher le spectacle de votre peur. Parce que vous, vous n'avez pas peur. Pourquoi faire? La peur, c'était bon avant, quand nous gardions l'espoir. Il n'y a plus d'espoir, mais nous sommes toujours avant. Nous n'avons pas commencé de souffrir, mademoiselle. Je sais. Et alors, qu'est-ce qui va venir? Je ne sais pas. J'attends. Je sais ce que tu caches avec tes mains. Je sais que tu n'as plus de visage. C'est pas toi? C'est vous? Qui? Moi? Vous étiez dans le hall? Forcément. Il n'y a rien de très remarquable. Excusez-moi. Oui, vous, au moins, vous ne m'avez pas pris pour le bourreau. Le bourreau? Oh non, j'ai cru que quelqu'un voulait me faire une farce. Une farce de mauvais goût. Qui attendez-vous encore? Plus personne, c'est complet. Oh. Alors nous allons rester tout seuls, monsieur, madame et moi? Oh. Il n'y a pas de quoi rire. Oh. Il me semble que c'est le premier plan et que je suis en visite chez ma tante Marie. Chacun a son canapé, je suppose. Celui-ci est à moi? Oh, comme il est laid. Voulez-vous le mien? Oh. Merci, vous êtes gentil, mais ça ne voudrait guère mieux.
Le seul qui me conviendrait à la rigueur, c'est celui de monsieur. Vous entendez, garçon? Le canapé? Oh, pardon. Il est à vous, madame. Merci. Eh bien, faisons connaissance, puisque nous devons habiter ensemble. Je suis Estelle Rigaud. Inès Serrano. Je suis très heureuse. Joseph Garcin, publiciste et homme de lettres. Ah, vous avez besoin de moi? Non, allez, je vous sonnerai. Oh, peut-être. Vous écriviez, monsieur, où ça? Dans un petit journal d'un pays très loin du vôtre. Vous ne m'avez certainement pas lu. Les derniers moments ont été durs? Oh, non, j'étais plutôt abrutie. Et de quoi êtes-vous? Une pneumonie. C'est bête. Jolie comme vous l'êtes. Oh, il n'y a pas que les lettres qui meurent. Malheureusement. Et vous? Le gaz. C'est pas très malin non plus. Et vous, cher monsieur? Ça ne vous regarde pas. Je ne suis pas un mort de bonne compagnie. Comme vous êtes grossier. Faites pas attention à ce que dit ce monsieur. Venez ici. Non? Vous êtes très belle. Mon amie Florence vous ressemblait. Elle était très malheureuse. C'est elle qui a ouvert le gaz l'autre nuit. Je dormais dans la même chambre qu'elle. Et me voilà. Et Florence? Je sais pas où elle est. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce rideau? Une fenêtre. Avec une jolie vue? Oh, ravissante. Oh. Estelle, je voudrais vous donner des fleurs pour vous souhaiter la bienvenue. Des fleurs? Oh. Mais en voilà. À Estelle, mon amie regrettée, Olga. Oh, elle m'a gâtée. C'est drôle d'assister à son propre enterrement. Tiens, mon mari. Je l'aimais tant. Nous l'aimions tous. Non, je sais, ma chère Olga, je sais. C'était une enfant sans mystère. Courage. Ce sont toujours celles-là qui vont au ciel les premières. Ce n'est pas juste. Il a l'air d'avoir du chagrin. C'est normal, il m'a perdu. Et le gosse, là, qui baille? C'est mon petit frère, il n'a jamais pu s'habituer aux enterrements. Ça doit être nerveux. Celui-là aussi a l'air d'en avoir du chagrin. Pierre! Pierre! Ne marchez pas si vite! Pierre! Elle n'était pas faite pour la terre. Trop douce, trop tendre. Vous ne le pensez pas? Moi? Oh, mais si, bien sûr. Elle était si pure. Je l'appelais mon cristal. Oui. Olga, je ne l'ai jamais touchée. Vous ne me croyez pas? Oh, mais si, Pierre, je vous crois. C'est Roger qu'elle aimait. Pauvre petite. Quand il s'est tué, j'ai pensé qu'elle ne survivrait pas. Quoi? Rien. Venez chez moi. Nous parlerons d'elle. Oh oui, vous aussi vous l'aimiez. Saleté! Décidément, ma chère, vous êtes très regrettée. Et dire que c'était ma meilleure amie. Qu'est-ce que ça peut vous faire ici? Je suis là, moi. Mais tout de même, vous avez vu comme elle le regardait. Bah, qu'est-ce que vous faites là, vous? Excusez-moi, c'est ma seule distraction. Félicitations. Oh, belle cérémonie. Vous avez un certain culot, vous. Pourquoi? Oh, c'est entre nous, il n'y a plus d'indiscrétion. Dites-moi, alors, toujours on les voit? On voit ce qu'ils font? Oh non, pas toujours. Juste un petit moment, quoi, pendant qu'ils se souviennent encore de vous. Oh, ça dure jamais très longtemps. Ben, vous comprenez, eux, ils vivent. Ben, ils n'ont pas une minute à perdre. Alors après? Après quoi? Quand ils nous ont oubliés. Alors, il n'y a plus rien, naturellement. Enfin, plus rien pour vous. Parce que pour moi, il y a toujours les nouveaux clients. Ça fait permanent. Mais c'est affreux. Ah, c'est comme ça. Ah, deuxième séance. Moi, excusez-moi, il faut que je m'en aille. Mon service, les nouveaux. Mais les nouveaux, c'est toujours un peu exigeant.
Tiens, moi, je suis tranquille. Personne ne pense déjà plus à moi. Florence! Florence, tu n'es pas morte? Florence, tu es encore chez moi? Allons, venez. Êtes-vous bien? Je vais descendre chercher votre dîner. Ne me laissez pas seule trop longtemps. J'ai peur. De quoi? D'elle. Mais puisqu'elle est morte. Il me semble qu'elle est encore là. Oui, je suis là. Et je ne te quitterai pas, sois tranquille. Elle ne viendra plus vous tourmenter, vous faire faire des bêtises. Je ne suis pas méchante, mais ce qui lui est arrivé, elle l'a bien cherché. Alors tu t'es ratée. Et tu es contente? Qu'est-ce que tu attends pour venir me rejoindre? Florence, au gaz, ça n'a pas marché, mais il y a la fenêtre. La fenêtre. Belle nature, elle veut la faire tuer. Viens, Florence, je t'attends. Cette jeune femme a l'air très attachée à la vie. Non, non, je ne veux pas que tu souris sans moi, Florence. Je ne veux pas que tu sois jolie sans moi. Florence, pas sans moi. Florence! Voyons, voyons, un peu de courage. Elle va vivre sans moi. Mais dans un sens, vous devriez être contente qu'elle ne soit pas... Oui, je devrais, évidemment, je devrais. Taisez-vous! Mettez-vous donc! Ah, c'est pas facile d'être mort avec vous deux. Je vous demande pardon. Moi aussi, j'ai le besoin, le droit de savoir. Quoi donc? Ce que mes amis pensent de moi, par exemple. Tiens, c'est la femme à Garcin. C'est marrant, elle a toujours eu l'air d'une veuve. Elle ne pleure pas? Je ne pleurais jamais. Ah, ça alors, mon veston. Le veston historique. Avec ses 12 trous, 12 balles, pas une ne m'a manqué. Mais qu'est-ce que tu vas en faire, pauvre idiote? Le mettre sous l'air? Va-t'en, va-t'en, oh, elle m'agace. Pauvre femme. Pauvre veuve. Vous ne voulez pas nous dire ce qui vous est arrivé? 12 balles dans la peau. Il n'y a pas de quoi s'en vanter. Dans certaines circonstances, si. J'ai voulu vivre selon mes principes. Ah, parce que vous aviez des principes? Parfaitement. Je dirigeais un journal pacifiste. La guerre éclate. Que faire? Ils avaient tous les yeux fixés sur moi. Oserait-il? Eh bien, j'ai osé, je me suis croisé les bras. Ils m'ont fusillé. Où est la faute? Où est la faute? Mais il n'y a pas de faute, vous êtes un héros. Si les choses se sont passées comme vous le dites, vous avez vraiment tenu le coup jusqu'au bout? Presque. Je m'en doutais. Mais pas une tête à bien mourir. Mais ce n'est qu'à la fin une défaillance, une petite défaillance physique. Vous avez pourtant l'air si fort. Je ne sais pas, les nerfs sans doute qui m'ont lâché devant le peloton d'exécution. Monsieur Garcin se ronge les ongles. Oh, tout de même, il y a de quoi. Estelle. Monsieur. Monsieur Garcin. Qu'est-il? Vous êtes assis sur mon canapé. Oh, pardon. Quelle chaleur, vous permettez? Ah, non.
Non, j'ai horreur des hommes en bras de chemise. Bon, bon. Vous avez ça, vous? Au moins, vous savez, en chemise ou non, je n'aime pas beaucoup les hommes. Il y a tout de même quelque chose que je voudrais comprendre. Enfin, pourquoi nous a-t-on réunis? Qu'est-ce que vous dites? Je vous regarde tous les deux et je pense que nous allons demeurer ensemble. Je m'attendais à retrouver des amis, de la famille. Un excellent ami avec un trou au milieu de la figure. Celui-là aussi. Il dansait le tango comme un professionnel. Et nous? Nous? Enfin, pourquoi nous a-t-on réunis? Ben, c'est le hasard. Ils cassent les gens où ils peuvent, dans l'ordre de leur arrivée. Pourquoi croyez-vous? C'est avec votre hasard. Ben, vous n'y croyez pas? Non. Enfin, comment expliquez-vous? Nous nous sommes peut-être rencontrés autrefois. Jamais. Je ne vous aurais pas oublié. Ou alors c'est que nous avons des relations communes. Vous ne connaissez pas les Dubois-Seymour? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Ils ont un château en Corrèze. Moi, j'ai été employée des postes. Ah oui. Oui, en effet, oui. Et vous, monsieur Garcin? Je n'ai jamais quitté mon pays. Dans ce cas, vous avez parfaitement raison, c'est le hasard. Vous me faites bien rire. Moi, je vous dis que cette pièce nous attendait. Elle est trop laide. Ça aussi, c'est peut-être fait exprès. Alors, tout est prévu? Tout. Et nous sommes assortis. Mais pourquoi sommes-nous ensemble? Ah, vous en avez trop dit, il faut aller jusqu'au bout. Mais je n'en sais absolument rien. Mais il faut le savoir. Si seulement chacun de vous avait le courage de dire... Quoi? Qu'avez-vous fait, Estelle? Pourquoi vous ont-ils envoyé ici? Je ne sais pas, moi, je ne sais pas du tout. Je me demande même si ce n'est pas une erreur. Cher innocent, je n'ai rien à cacher. J'étais orpheline et pauvre. J'élevais mon frère cadet. Un vieil ami de mon père a demandé ma main. Il était riche, naturellement. Très riche. Et très bon. J'ai vécu 6 ans avec mon mari sans un nuage. Vous filiez le parfait amour. Il y a 2 ans, j'ai rencontré celui que je devais aimer. Il voulait que je parte avec lui. J'ai refusé. Après ça, j'ai eu ma pneumonie. C'est tout. On ne peut quand même pas lui reprocher d'avoir sacrifié sa vie à un vieillard. Vous voyez? Je vois. Pour qui jouez-vous la comédie? Entre nous? Entre nous? Oui. Entre assassins. Ou pire, parlez pour vous. Nous sommes en enfer, ma petite. Et il n'y a jamais d'erreur. On ne damne jamais les gens pour rien. Taisez-vous. Damnez la petite sainte. Damnez le héros sans reproche. Nous avons eu notre heure de plaisir, n'est-ce pas? À présent, il faut payer. Mais est-ce que vous allez vous taire? Attendez! J'ai compris. Je sais pourquoi ils nous ont mis ensemble. Prenez garde à ce que vous allez dire. Vous allez voir comme c'est bête. Bête comme chou. Il n'y a pas de torture physique dans leur enfer. Et personne ne doit plus venir. Eh bien oui, le garçon nous l'a dit. Personne. Nous resterons jusqu'au bout, seuls, ensemble. C'est bien ça. En somme, il y a quelqu'un qui manque ici. C'est le bourreau. Je le sais bien. Eh bien, ils ont réalisé une économie de personnel. Ce sont les clients qui font le service eux-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a raison. Le bourreau, c'est chacun de nous pour les 2 autres. C'est pas possible. Si. Je ne serai pas votre bourreau. Je ne vous veux aucun mal et je n'ai rien à faire avec vous. Ce ne sera peut-être pas suffisant. Il n'y a qu'un moyen. Se taire, le silence. Chacun dans son coin. Vous ici et moi là. Et plus un mot. On va bien rire. Mais c'est pas difficile, n'est-ce pas? Chacun a suffisamment à faire avec lui-même. Il faut que je me taise? Oui. Et nous serons sauvés. Se taire, regarder en soi et ne jamais lever la tête. C'est d'accord? D'accord. D'accord. Alors, adieu. Dans la rue des blancs manteaux, ils ont élevé des tréteaux. Et mis du son dans un seau, et c'était un échafaud dans la rue des...
Le bourreau s'est levé tôt, c'est qu'il a fait du boulot. Faut qu'il coupe des généraux, des évêques, des amiraux, dans la rue des blancs manteaux. Dans la rue des blancs manteaux, sont venus des dames comme il faut, avec de beaux affutiaux. Mais la tête leur faisait défaut, elle avait roulé de son haut, la tête avec le chapeau dans le ruisseau des blancs manteaux. C'est bien, Jean. L'adresse était bonne. Il n'y a rien de tel que ces salauds-là pour se trahir entre eux. C'est un ami? Oui. Diego. Mais... Diego, mon petit Diego. Mais ne reste pas là, tu es fou! En voilà déjà un en route pour vous rejoindre. Oh non, pas Jean, c'était un saint. Je vois encore un héros. Des héros, des saints. Décidément, cher monsieur, vous avez des amis exceptionnels. C'est comme moi d'ailleurs. Vous me prendrez si vous voulez, mais chez tante Marie. Oh, assez, assez! Vous ne voulez donc pas me prendre? Ça vaut peut-être mieux. Ne tirez pas! Même. Avouez que vous êtes plus tranquille ici. Mais qui vous a sonné, mon ami? Personne, j'étais là, alors la curiosité. En somme, vous nous espionnez. Oh non, non, je fais qu'entrer et sortir, parce que je regarde où vous en êtes. Et ça vous amuse? Oh non, c'est une histoire de passer de temps. Dites-moi, hein? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? À propos de quoi? Mais de ce qui se passe. Oh, voyons. Alors, où est-ce que vous en êtes dans le monde en ce moment? Ah, non, 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 laissez-moi, hein, vous n'avez pas le droit. Par quel règlement avez-vous lu ça? Mais voyons, mais ici, on n'a pas de secret entre nous, c'est familial. Jean est mort. Il était là tout à l'heure. Voilà son revolver. Où est-il? Dans le ruisseau de la rue Saint-Antoine. Le ruisseau, c'est tout ce qu'on a comme champ d'honneur. On peut ouvrir proprement partout. J'ai tout juste eu le temps de lui fermer les yeux. Ils étaient derrière moi comme des chiens. Vrai garçon, Jean, le mouvement est décapité. Minute, professeur, je ne suis pas d'accord. Ça ne m'étonne pas. Qui connaissait nos rendez-vous? Celui de Jean et de Diego, par exemple. Notre réunion clandestine. Beaucoup de nos amis. Peut-être. Mais parmi ceux-là, il y a Garcin qui soit tombé entre leurs mains. Qui avait toutes les adresses de nos camarades. Sauf la tienne, professeur. Et les policiers sont partout. Sauf ici. Vous n'avez pas le droit. Tout de même, ils l'ont fusillé. Et toi, tu l'as toujours détesté. Non, même pas. Mais à quoi ça servirait de l'aimer si avant il l'avait fait parler? Non. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'était pas un lâche. Mais voyons, souvenez-vous, vous le connaissiez. Non. Non, ce n'est pas vrai. Faites-moi confiance. Faites-lui confiance. Mais vous me faisiez confiance quand j'étais vivant. Pourquoi me refuser maintenant que je suis mort? Voyons, entre nous, la vérité. Mais quelle vérité? Ils m'ont interrogé. Je n'ai rien dit, rien du tout. Et puis je savais que j'allais mourir. Et s'il vous avait promis la vie? Ben, je les aurais pas cru, voyons, il les connaissait. Et s'il vous avait torturé? Mais regardez-moi, je n'ai pas de traces, pas de sang, rien. Les 12 balles non plus n'ont pas laissé de traces. Diego, Gomez, au secours! Mais écoutez-moi, croyez-moi, je suis votre ami, je suis... Mort. Il est mort, soit. Mais croyez-moi, c'est pas une raison pour en faire un héros ou un exemple. Tu parles comme si on savait.
Comme si on était sûr. En tout cas, on ne peut pas garder son nom sur cette affiche. Salaud. C'est moi qui l'ai rédigé. Je propose donc de le supprimer partout. De le plus citer nulle part. Essayez de faire oublier Yersin. Ils vont me tuer une deuxième fois. Je mets aux voix. Ceux qui sont d'accord lèveront la main. Je commence par moi. Cerise. Henrik. Bon. Professeur. Oh, attendez. Attendez. Réfléchissez, professeur. Souvenez-vous de nos conversations, de ce que nous disions de Gomez, de sa bêtise, de sa brutalité. Oh. Alvarez. Et Diego. Ah non, Diego. Non, pas toi. Mais tu étais presque mon frère. Si tu votes contre moi, je suis à l'âge pour toujours. Diego, qu'il y en ait au moins un seul pour croire en moi. Le résultat est acquis, petit. Mais quand même, l'unanimité, ce serait mieux. Diego. C'est mieux. Oh, assez. Oh, assez. Alors, permettez, ça, c'est mon boulot. En somme, ça ne va pas si bien que ça pour vous, là-bas. Taisez-vous. N'ont pas l'air de beaucoup vous aimer. Vous savez, quand on vient de disparaître, il y a des hauts et des bas. Tenez, supposez un groupe de copains qui discutent le coup au bistrot ensemble. Ils sont tous d'accord, la main dans la main, de vrais amis. Et puis, il y en a un qui s'en va. Il n'a pas le dos tourné, tous les autres, ils tombent dessus. Et pourquoi, hein? C'est à y pas croire, c'est la vie. Les hommes sont comme ça, on n'y peut rien. Mais enfin, c'est quand même monsieur qui a été fusillé, non? J'ai donné ma vie pour eux et voilà. Ils me repoussent, ils me rejettent. C'est moi je veux bien, hein, surtout si ça peut vous consoler. Enfin, c'est tout de même pour eux qui vous ont conduit ici, non? Puis à quoi bon parler de tout ça? À quoi bon parler? Vous n'avez pas une glace, la mienne est voilée. Hélas, je ne peux pas vous être utile. Oh, bien aimable. De quoi je me mêle? Mais je ne me vois pas. Mais c'est un petit truc maison, voyons, comme votre grande glace, là. Mais c'est idiot. C'est une brimade ridicule. Et c'est comme ça. Oh, mon rouge. Je suis sûre que je l'ai mis de travers. Mais je peux tout de même pas rester sans glace toute l'éternité. Voulez-vous que je vous serve de miroir? Venez, je vous invite chez moi. Mais il a dit que... Ne nous occupons pas de lui. Nous allons nous faire du mal. J'ai l'air si méchant. Allons, venez. Faites-vous voir? Pas trop bien. Oh, je m'en doutais. Heureusement que personne ne m'a vu. Je recommence. C'est mieux. Non, suis le dessin des lèvres. Je vais te guider. Là, c'est bien. Aussi bien que tout à l'heure quand je suis entrée. C'est mieux. Plus lourd, plus cruel. Ta bouche d'enfer. Ah, c'est vrai, monsieur? Je te réponds même pas. Et c'est bien, vous me jurez que c'est bien. Tu ne veux pas me tutoyer? J'ai de la peine à tutoyer les femmes. Et particulièrement les employés des postes, je suppose. Qu'est-ce que tu as là au bas de la joue? Un bouton? Un bouton? Quelle horreur, où ça? Ah, je te tiens. Il n'y a pas de bouton, pas le moindre. Mais hein? Si le miroir se mettait à mentir, si je fermais les yeux, si je refusais de te regarder, que ferais-tu de toute cette beauté? Soyez gentil. Tu me diras-tu? Je te plais? Beaucoup. Je voudrais bien qu'il me regarde aussi. Parce que c'est un homme. Vous avez gagné, garçon. Mais regardez-la donc! Ne jouez pas la comédie! N'avez pas perdu un mot de ce que nous disions! Vous pouvez le dire, pas un mot. J'avais beau m'enfoncer les doigts dans mes oreilles. Allez-vous me laisser à présent? J'ai pas affaire à vous.
Et à la petite, avez-vous affaire? Je me moque de la petite, si ça peut vous tranquilliser. Merci. Je ne voulais pas être grossier. Mais... Et voilà, et je vous avais supplié de vous taire. C'est elle qui a commencé. Elle est venue m'offrir son miroir, je lui demandais rien. Rien, seulement tu faisais des mines pour qu'il t'en vienne. Bien vrai, je faisais des mines, ça me plaît. Mais vous, Paul, vous ne voyez donc pas où nous allons? Mais taisez-vous. Nous allons nous rasseoir bien tranquillement. Nous fermerons les yeux. Et chacun tâchera d'oublier la présence des autres. Oublier? Non, mais pour qui me prenez-vous? Vous êtes là, je vous sens, je vous vois. Et elle aussi. Si nous étions seuls, croyez-vous qu'elle oserait me traiter comme elle me traite? Non, non, montez ces mains de votre figure. Je ne vous laisserai pas, ce serait trop commode. Pas de ça. Je veux choisir mon enfer. Je veux vous regarder de tous mes yeux et lutter à visage découvert. Bon, mais je suppose qu'il fallait en arriver là. S'il m'avait logé avec des hommes, les hommes savent se taire. Faut pas trop en demander. Alors, petite, je te plais? Ne me touchez pas. Oh, mettons-nous à l'aise. J'aimais beaucoup les femmes, tu sais. Et elles m'aimaient beaucoup. Nous n'avons plus rien à perdre. De la politesse, pourquoi? Entre nous, hein? Tout à l'heure, nous serons nus comme des vers. Laissez-moi. Ah, je vous avais prévenu. Je ne vous demandais rien que la paix et un peu de silence. Mais vous ne pouvez pas vous taire. Eh bien, allons jusqu'au bout. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Pourquoi pas? Ce sera peut-être rigolo. Toi, la rouquine, commence. Pourquoi es-tu là? Je n'en sais rien. Ils n'ont pas voulu me la prendre. Ah, moi non plus. Mais dans le fond, c'est pas la peine. Chacun de nous sait très bien ce qu'il a fait. Tu as peur de parler la première? Je n'ai rien à vous dire. Moi, je veux bien commencer. Vous avez vu Florence? Le petit Laidron tout à l'heure? Pas si Laidron que ça, ma jolie. Oh, vous avez quand même un drôle de goût. Et puis votre Florence, vous pensiez qu'elle était morte et elle est vivante, alors? Eh bien, moi, j'étais ce qu'ils appellent là-bas une femme damnée. Déjà damnée, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas une grosse surprise. C'est tout. Je ne suis pas une compliquée. Ah, ça, c'est pour moi. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas, toute seule? Qu'est-ce qui lui a donné ses fleurs? Florence. Oui, c'est moi. Je suis toujours là. Ma chérie. Qu'est-ce que c'est? Tu attends quelqu'un? Florence, ne fais pas ça. Ne fais pas ça! Il est revenu. Il ose revenir maintenant que je suis morte. Qui est-ce? Qui veux-tu que ce soit? Son mari, bien sûr. Il n'est pas bien beau. Ne me regardez pas comme ça, j'ai honte. Nous ne parlerons jamais plus de rien. Tu crois que tu pourras me pardonner? Tu comprends, c'était pas tout à fait ma faute. La petite garce. C'était une mauvaise femme. J'étais si malheureuse, j'ai voulu me tuer, tu sais. Et c'est moi qui suis morte. Viens, le taxi est en bas. Non, quoi, tu vas retourner avec lui? C'est pas possible, tu es folle. On s'est assez foutu de lui, toutes les deux. Souviens-toi, c'est un pauvre type. Il fait du bruit en mangeant. Il a toujours l'air sale, il ronfle, il a des pellicules. Tu n'as jamais pu le supporter, Florence. Ne pars pas avec lui. Il est comme les autres et finira par te jouer un mauvais tour. Florence! Ils sont partis. Saleté, saleté! Tu le suis parce que c'est un homme. On ne peut jamais trop compter sur les femmes. Ça vous amuse, vous? Si vous croyez que vous êtes drôle. Je voudrais vous tuer. Mais bonne idée. Mais essayez donc. Lâchez-moi! De moi aussi, vous avez peur. Voyons, Inès, calmez-vous. Tu m'as appelée, Inès? Excusez-moi. T'excuser? Mais je suis ravie, au contraire. On s'apprivoise? Une de perdue, une de retrouvée.
Tu me restes, toi, ma petite. Et pour toujours. Alors, pourquoi es-tu ici? Je vous ai dit que je n'en savais rien. Eh bien, on va t'aider. Ce type a la gueule fracassée. Qui est-ce? Quel type? Celui dont tu avais peur quand tu es entré. C'est un ami. Le nommé Roger. Celui qui s'est tué. Celui que tu aimais. Ils en parlaient à ton enterrement. C'est tué à cause de toi, mais non, vous êtes folle. Alors pourquoi en avais-tu peur? À cause de toi. À cause de toi, à cause de toi. Laissez-moi tranquille, vous me faites peur. Je peux m'en aller, je peux m'en aller. Où ça? Au cimetière? Mais va-t'en, je demande pas mieux. Au secours. Seulement la porte est fermée. Vous êtes ignoble. Pourquoi? Parfaitement ignoble, et qu'est-ce que ça change? Tout de même, vous pourriez être poli, je suis une femme. Et elle? Ah, elle aussi. Vous croyez? Et maintenant, parlons sérieusement. Donc le type s'est tué pour toi. C'était ton amant? Mais bien entendu, c'était son amant. Et il a voulu l'avoir pour lui tout seul. C'est bien vrai? Je suis sûre qu'il était pauvre. On me demande s'il était pauvre. Oui, il était pauvre. Et puis t'avais ta réputation à garder. Ta belle situation à conserver. Et un jour, il est venu, il t'a supplié, et toi t'as rigolé. Ah, tu as rigolé. C'est pour ça qu'il s'est tué. C'est avec ces yeux-là que tu regardais Florence? Oui. Eh bien, vous n'y êtes pas du tout. Il voulait me faire un enfant. Là, vous êtes content? Un enfant? Quelle horreur! Et toi, tu ne voulais pas? Non. L'enfant est venu tout de même. Je suis allée passer 5 mois en Suisse. Personne n'a rien su. C'était une fille. Roger était près de moi quand elle est née. Ça l'amusait d'avoir une fille. Pas moi. Après? Il y avait un balcon au-dessus d'un lac. J'ai apporté une grosse pierre. Roger criait, Estelle, je t'en prie, je t'en supplie. Ma pauvre petite. Il s'est penché sur le balcon et il a vu des ronds sur le lac. Après? C'est tout. Je suis rentrée à Paris, lui, il a fait ce qu'il a voulu. Un trou dans sa tête? Oui, ça n'en valait pas la peine. Mon mari ne s'est jamais douté de rien. Moi, je vouais! Ici, les larmes ne coulent pas. Si vous saviez comme je vouais! Mais non, ça va se passer. Oh, pardon. Vous pouvez rester en bras de chemise à présent. Oui, c'est vrai. À présent. Bon, il faut pas m'en vouloir. Je ne vous en veux pas. Et à moi, tu m'en veux? Oui. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes malade? Si on essayait d'avoir un peu d'amitié, un peu de pitié les uns pour les autres. Est-ce que vous savez que cette petite sera votre bourreau? Et après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Fichez-moi la paix. Je suis pas une chienne en chaleur, moi. Oh, il s'agissait pas de ça. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Vous n'entendez pas? De la musique? Je reconnais l'air. Je savais bien. Oh, Pierre, tu n'as pas honte? Nous avions découvert ce dancing ensemble. Tu m'avais promis de ne jamais y aller sans moi. Je voulais t'apprendre à danser. Je n'ai pas eu le temps. Il n'était pas très doué. Mais pourquoi le regardes-tu comme ça, Olga? Qui est Pierre? Un petit imbécile. Il m'appelait son cristal. Il vous connaissait bien. Il m'aimait. Et toi? Elle est à bout de souffle. Pourquoi danse-t-elle? C'est peut-être pour se faire maigrir. Elle pousse contre lui sa poitrine. Elle lui souffle dans la figure. Tu l'aimes? Mais bien sûr que non, il a 18 ans. Je suis pas une ogresse, moi. Alors laisse-le, qu'est-ce que ça peut te faire? Il danse comme un pied. Il était à moi. Rien n'est plus à toi sur la terre. Il était à moi. Oui, il était. Essaye de le toucher. Olga peut le toucher, elle. Elle peut lui tenir les mains, lui frôler les genoux. Il ne saura donc jamais que je la vois.
Mais je te vois. Je te vois avec ta figure défaite, ton regard chaviré. Je vois qu'il te marche sur les pieds, c'est à mourir de rire. Allons plus vite, plus vite. Le tir, la pousse est indécent. Plus vite. Allons. Petit Pousset, pauvre petit Pousset, mais qu'attends-tu pour lui éclater de rire au nez? Il n'aurait jamais osé. Est-ce que je ne suis vraiment plus rien? Rien. Il n'y a plus rien de toi sur la terre. Tout ce qui t'appartient est ici. Veux-tu le coupe-papier? Le bronze de Barbedienne? Le canapé bleu est à toi. Et moi, mon petit, je suis à toi. À toi pour toujours. À moi? Mais lequel de vous deux oserait m'appeler son cristal? On ne vous trompe pas, vous autres. Vous savez qui je suis, une ordure. Pense à moi, Pierre. Ne pense qu'à moi, défends-moi. Tant que tu penses à moi, à ton cristal, je ne suis ici qu'à moitié, je ne suis qu'à moitié coupable. Je reste ton eau vive, ton cristal. Heureux? Très heureux. Il a pourtant fallu que je vous supplie pour que vous m'ameniez ici. J'avais promis à Estelle de n'y venir qu'avec elle. Vous m'agacez avec Estelle. Mais elle est morte. Mais c'est pas une raison. On dirait que vous la prenez pour une sainte. Elle était si nette, si propre, si franche. Mon pauvre Pierre. Voyons, vous la connaissiez comme moi. Mieux que vous. Écoutez, Pierre, je voudrais pas vous faire de la peine. Regarde, Olga. Regarde. Savez-vous ce qu'elle a été faire en Suisse? Ne lui dis pas. Olga, ne lui dis pas! Elle a été noyée dans un lac, l'enfant qu'elle s'était fait faire par Roger. L'enfant de Roger? Oui. Puis d'ailleurs, tout ça n'a plus aucune importance maintenant. Tout est fini. Dansons ce slow. Bien, elle peut le garder maintenant. Première loge, comme au cinéma. Je ne veux plus les voir. Ben, les rideaux sont fermés. Je ne veux plus les entendre. Ah, ça, c'est pas prévu par le règlement. Je vous donnerai un bon pourboire. Mais ici, on n'a jamais soif. Jamais soif, jamais faim, jamais rien, plus jamais rien. Ah, c'est économique, mais c'est pas gai. Je vous en prie, faites ce que je vous demande. Je voudrais bien vous faire plaisir, mais c'est pas possible. Les choses sont comme elles sont. Mais il y a bien un responsable. Bon, mais personne ne peut rien changer. Puis surtout, moi, je suis la cinquième roue du carrosse. Je veux voir le directeur. Ou si elle veut que ce soit un hôtel comme les autres. Mais si on ne fait pas quelque chose, je sens que je vais devenir folle, folle. Mais non, surtout croyez pas ça, il n'y a pas de danger. Vous comprenez, pour beaucoup, ça leur déplairait pas tellement de perdre les pédales. Alors, non. Ici, il n'y a pas d'arrangement avec le ciel. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ayez pitié de moi. Trop tard. Puis c'est des mots qu'il vaut mieux pas dire ici. C'est mal vu. Qu'est-ce que je vais devenir? Ah là! Oh, maintenant, vous savez, si c'est les autres là qui vous ennuient. Je ne veux plus les voir, plus les entendre. Ben, vous inquiétez pas. Oh, il n'y en a pas pour longtemps de toute leur musique, leur bastringue là. C'est du peu. Tenez! Leur policière, elle est déjà morte. Elle aussi. C'est vrai. Je ne vois plus rien. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Alors, vous êtes contente? Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh, pas grand-chose. Ils vivent, quoi. Mais vous n'êtes plus dans le coup, vous. C'est régulier. Il va falloir que tu reviennes avec nous, mon poulet. Je ne vois plus rien. Je n'entends plus rien.
C'est ce que tu voulais, non? Je suis seule. Je suis là. Toute seule. Garçon! J'ai peur. Garçon, regarde-moi. Prends-moi dans tes bras. Adressez-vous à elle. Mais ne vous en allez pas. Il n'y a pas de danger. Est-ce que vous êtes un homme? Mais regardez-moi donc, ne détournez pas les yeux. Je ne suis pas laide. Après tout, quelqu'un s'est tué pour moi. Garçon, ça ne t'excite pas? Je vous en supplie. Il faut bien que vous regardiez quelque chose. Si ce n'est pas moi, ce sera le bronze, la table ou les canapés. Je suis tout de même plus agréable à voir. Je suis tombée. Ramasse-moi. Tu verras comme je serai gentille. Elle parle comme les putains. Viens chez moi, beau brun, il y a du feu. Je vous dis de vous adresser à elle. À elle? Mais elle ne compte pas, c'est une femme. Je ne compte pas. Tu te trompes, petit oiseau tombé du nid. Je te guette, n'aie pas peur. Je te regarderai sans répit. Mais fichez-moi dans la paix. Mon eau vive, mon cristal. Le cristal est en miettes sur la terre. Tout le monde sait que j'ai flanqué l'enfant par la fenêtre et je m'en moque. Je ne suis plus qu'une peau. Ma peau n'est pas pour vous. Viens. Tu seras ce que tu voudras. De l'eau vive ou de l'eau sale, à ton choix. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me lâches? Tiens. Vous me le paierez, garçon. Alors tu veux un homme? Un homme? Non, toi. Pas d'histoire. N'importe qui ferait l'affaire. Je me suis trouvé là, c'est moi, non? Je n'ai rien pour te plaire, tu sais. Je ne suis pas un petit imbécile et je ne fais pas la cour aux femmes. Je te prendrai comme tu es, je te changerai peut-être. J'en doute. Je serai distrait. J'ai d'autres affaires en tête. Quelles affaires? Oh, ça ne t'intéresse pas. Je m'assiérai sur ton canapé, j'attendrai que tu t'occupes de moi. Chienne! À plat ventre, parce que c'est un homme! Ne l'écoute pas, elle ne compte pas. Je te donnerai ce que je pourrai. Pas beaucoup. Je ne t'aimerai pas. Je te connais trop. Est-ce que tu me désires? Oui. C'est tout ce que je veux. Alors? Estelle! Garçon! Vous perdez la tête, je suis là, moi! Je vois bien, et alors? Pas devant moi, vous ne pouvez pas! Je me déshabillais bien devant ma femme de chambre. Laissez-la, ne la touchez pas, réponds-moi de madame! Oh, mais ça va! Je suis pas un gentleman, moi. J'aurais pas peur de cogner sur une femme. Tant que si tu veux, mais laisse-la! Laisse-la! Elle est pas moi! Ah, vous n'aviez qu'à vous tenir tranquille toutes les deux. Je ne vous demandais rien. Faites ce que vous voudrez, vous êtes les plus forts. Mais rappelez-vous, je suis là et je vous regarde. Je ne vous quitterai pas des yeux. Comme je vous hais tous les deux. Aimez-vous, aimez-vous. Nous sommes en enfer et j'aurai mon heure. Donne-moi ta bouche. Oh, je t'ai déjà dit de ne pas faire attention à elle. Oh, il s'agit bien d'elle. Qu'est-ce qu'elle fait encore, celle-là? Mais où vas-tu? Il n'y a plus rien. Pour toi. Tiens, votre femme. Ma veuve. Femme d'un fusillé. Regrets éternels. Elle doit être heureuse de pouvoir être malheureuse toute à son aise. Décidément, elle continue à collectionner les herliques. Elle a gardé mon chapeau. Oh, et l'autre? C'est ta femme qui porte ça? Que non, oh non, ma femme porte surtout sa croix. Tiens, regarde-la. Ce chapeau étonnant. Non, ça doit être un Rosita. Nom de Dieu, mais c'est pas possible! Elle l'a gardé! Qui ça? Rosita. Oh, mais moi mort, elle n'avait qu'à la foutre dehors! Ah, oh, c'est trop bête! Il faut le voir pour le croire! Donne! Ils sont jolis.
30 sous. Tu m'avais dit du 38. Ça voulait dire du 39. Pauvre imbécile, tu n'es même pas capable d'acheter des souliers. Va les changer. 20 ans. Tu me dégoûtes avec tes airs de martyr. Si tu avais deux sous de sang de l'éveil, il y a longtemps que tu m'aurais mise dehors. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi me gardes-tu? Parce qu'il t'aimait. Ce n'est pas vrai. Tu te venges. Tu profites de ce que je n'ai pas le sou pour m'obliger à subir ta sale présence. Il t'aimait. Tu es la seule chose qui me reste de lui sur la terre. C'est pour ça que je te garde. Il aurait aimé un chien, je le regardais comme je te garde. J'ai ses photos. J'ai son veston. Je suis la dernière femme qu'il a aimée. J'ai tout. Il est à moi. Je ne l'aimais pas. C'était un faible. C'était un lâche. Un lâche! Je restais avec lui parce qu'il me payait. Voilà ce que j'en fais de ton garçon. Regarde-là sa photo. Voilà ce que j'en fais. Voilà ce que j'en fais. Voilà ce que je fais de son veston troué. Je vais m'en aller. Je vais m'en aller. Jolie scène de famille. Tu aimais cette négresse? J'aimais sa peau. Oh, moi, je me mets à votre place, hein, ça m'étonne pas. C'est un joli petit lot. Encore ce domestique? Non, je suis rentré juste un petit peu, là, pour la négresse. Pas possible, vous vous croyez au Bobinard? Oh non, hélas. Oh, c'est bien fini tout ça. On est pas là pour rigoler, c'est... Bon. Alors, je vous laisse. Hein? Alors, tout va bien, oui? Vous vous expliquez? C'est un comique, ce gars-là. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis ici. J'ai torturé ma femme pendant 5 ans. Sans blague. Pourquoi l'as-tu fait souffrir? Oh, parce que c'était facile. Il suffisait d'un mot pour la faire changer de couleur. Je rentrais sous comme un cochon. Je sentais le vin et la femme. Oh, elle ne pleurait pas. Elle m'avait attendu toute la nuit. J'avais un mot de reproche, naturellement. Seulement ses yeux. Ses grands yeux. Ah, c'est une femme qui a la vocation du martyr. Et elle est tombée sur un mari taquin. Avec Rosita. Elle nous a porté le petit déjeuner au lit. En somme, vous êtes ici à cause d'un bol de café au lait et d'une négresse. C'est marrant. Et les autres? Quels autres? Vos amis. Ceux que vous avez trahis. Mais je n'ai trahi personne. Même la négresse dit que vous étiez lâche. Oh, mais qu'est-ce qu'elle en sait? Et eux? Estelle. Toi ou moi m'aimeras-tu? Qui sait? Auras-tu confiance en moi? Quelle drôle de question. Tu seras constamment sous mon regard. C'est pas avec Inès que tu me tromperas. Oh, évidemment. Mais non, je voulais parler d'une autre confiance. Estelle, il faut me donner ta confiance. Parce que tu es compliqué. Mais qu'est-ce que tu as donc fait? Mais ils m'ont fusillé. Je sais, tu avais refusé de partir, et puis? Je n'avais pas tout à fait refusé. Nous y voilà. J'ai pris le train, et ils m'ont passé à la frontière. Où voulais-tu aller? De l'autre côté, je comptais y fonder un journal pacifiste. Mais dis quelque chose! Tu veux que je te dise, moi, tu as bien fait puisque tu ne voulais pas te battre. Oh, mon chéri, je ne peux pas deviner ce qu'il faut te répondre. Mon trésor, il faut lui dire qu'il s'est enfui comme un lion. Car il s'est enfui, ton gros chéri. C'est bien ce qu'il taquine. Ah, parti, enfui, appelez ça comme vous voudrez. Mais il le fallait bien, si tu étais resté, il t'aurait mis la main au collet. Oui, bien sûr. Estelle. Estelle, est-ce que je suis un lâche? Je n'en sais rien, mon amour, je ne suis pas dans ta peau. C'est à toi de décider. Mais je ne décide pas. Courageusement. J'ai pris le train, voilà ce qui est sûr. Mais pourquoi? Pourquoi? À la fin, j'ai pensé... C'est ma mort qui décidera. Si je meurs proprement, j'aurai prouvé que je ne suis pas un lâche. Et comment es-tu mort, garçon? Je suis mort là-bas.
Un meneur. Nommé Gomez. Une vraie tête d'assassin. C'est quand même pas un boulot. Quoi donc? La tête du peloton d'exécution. C'est moins dur que de décharger des wagons de ciment. Ou que de faire une vraie guerre. C'est moins dur, mais il y a des fois où c'est dégueulasse. Un Suède aujourd'hui s'est bien tenu. On lui a filé ses 12 balles dans la peau correctement. Proprement. Si c'était toujours comme ça, ce serait presque un plaisir. Je vois ce que tu veux dire. C'est pour l'avant-dernier, celui qu'il a fallu traîner. Il gueulait. Bah, il voulait pas mourir, le frère. Tous les mêmes. Ça fait les 400 couilles, quand il s'agit de payer, il n'y a plus personne. Des lavets. Oh, je voudrais bien t'y voir, toi. Mais quand même, des gars qui manquent de dignité. Oui, c'est marrant, il paraît que c'est un copain de l'autre. Du dégonflé, sans blague. C'était vous, le dégonflé. Le dégonflé. C'était une simple défaillance physique. Je n'ai pas honte. Ce sont ces pauvres types qui ont honte pour vous. Mes nerfs ont lâché, ça ne prouve rien. Ça ne prouve quand même pas que vous êtes un vrai dur. Gomez aussi y est passé. Proprement. Mais il est mort quand même. Ah, puis à quoi bon toutes ces explications? Regarde-moi. J'ai besoin que quelqu'un me regarde. J'aime tes yeux. J'aime tes yeux. Voyez-vous ça? Et toi, Estelle, aimes-tu les lâches? Si tu savais comme ça m'est égal, lâche ou non, pourvu qu'il embrasse bien. Je suis sûre que j'embrasse mieux. Tiens, c'est pour qui? Garçon, regardez une seconde. Vous avez tout le temps pour fredonner. Garçon, une visite. Non, je ne veux pas, ça suffit. Vous avez peur, mon brave? Ça va faire 2 jours qu'elle est comme ça. Mais ça reviendra plus. Il a dit que c'était la fin. Je crois qu'elle a bougé les yeux. Oh, j'ai peur. Elle n'est plus en état. C'est quand même une drôle de maladie. C'est pas une maladie, c'est son mari. Mourir pour un homme. On voit bien que c'est une femme qu'on a connue qu'un. C'était pas un homme, c'était un lâche. Tout le monde le dit. Et c'est de ça qu'elle meurt. Bien sûr, pauvre femme. Ben moi, qu'il est bien connu, garçon, je serais pas morte pour lui. Tiens, même quand il m'a plaqué pour la négresse. Et pourtant, j'ai failli souffrir. Et toi, pas de mentelle. Oh, elle n'entend plus rien. Tiens, va voir qui c'est. Madame Garcin. Elle est là. Elle est à toute extrémité. Vous ne le saviez pas? Si, mais j'ai besoin de la voir. Mais qui êtes-vous? Rien, un ami. Un ami de Garcin. Oh, un ami de Garcin? Parce qu'il a encore des amis. Je ne sais plus. Vous ne voulez pas me laisser seule avec elle? Quoi faire? Je voudrais lui parler. Elle vous entendra même pas. C'est vrai? Oh, mais ça fait rien, si vous y tenez. Je vais aller faire un tour à la maison. Tu viens, Louisa? Oui. Un joli garçon comme ça, au lieu de parler une presque morte, il ferait mieux de m'adresser la parole. Oh oui, ben toi, c'est pas la conversation qui te manque. Alors, on vous laisse, hein? Madame Garcin. Madame Garcin, vous m'entendez? Mais dites, vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous me reconnaissez? Je suis Diego, un ami. Un ami de votre mari. Je voudrais savoir juste une question. Ils ont fusillé Gomez. Tous les copains sont arrêtés. Et ils pensent que Garcin... Ils croient... Comprenez? Moi, je n'y arrive pas. Ça me dégoûte. Alors, je ne sais plus. Je suis venu parce que vous... Vous le connaissez mieux. Il n'y a même que vous. Alors... Dites-moi, ce n'est pas vrai. Faites-moi un petit signe, comme tout à l'heure. Fermez les yeux, ça suffira. Je serai plus tranquille.
pensez pas qu'ils ont raison. Vous pouvez pas. Je vous remercie quand même. Je crois que je n'ai plus rien à faire. Je vous demande pardon. J'aurais pas cru. Salope. Pourquoi as-tu fait ça? Tu es un lâche. Tout le monde te méprise. Tout le monde t'abandonne. Mais tant mieux. Tu es plus à moi. Non. Qu'est-ce que tu veux faire de moi puisque tu es en train de crever? Vous énervez pas, mon petit ami. Les témoins disparaissent. Ah, et vous? Nous, c'est pas pareil. Ils ont décidé que j'étais un lâche. Mon chéri. Mon chéri. Regarde-moi, mon chéri. Touche-moi. Non, non, laisse ta main. Ils vont mourir un à un, qu'importe ce qu'ils pensent. Oublie-les. Il n'y a plus que moi, je suis là. Oui. Oui, tu es là. Alors écoute, tu vas me rendre un service. Non, non, ne t'éloigne pas. S'il y avait une âme, une seule, pour affirmer que je n'ai pas fui, que j'ai du courage, que je suis propre, alors je suis sûr que je serais sauvé. Veux-tu croire en moi? Oh, tu me serais plus cher que moi-même. Idiot, mes chers idiots! Penses-tu que je pourrais aimer un lâche? Mais tu disais... Je me moquais de toi. Mais j'aime les hommes, garçon, les vrais hommes. C'est vrai. C'est bien vrai. Veux-tu que je te le jure? Alors je les défie tous. Ceux d'ici et ceux de là-bas. Estelle, nous sortirons de l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a? Imbécile! Mais elle ne croit pas un mot de ce qu'elle dit. Estelle, suis-je un lâche? Tu savais ce qu'elle s'en fout. Inès! Ne l'écoute pas. Ne vois donc pas qu'elle a besoin d'un homme. Ça, tu peux le croire. Pour le reste, elle te dirait bien que tu es Dieu le Père si ça pouvait te faire plaisir. Est-ce vrai? Mais réponds, est-ce que c'est vrai? Que veux-tu que je te dise? Moi, je comprends rien à toutes ces histoires. Mais même si tu étais un lâche, je t'aimerais, là. Es-tu content? Ravi. Il est ravi. Vous me dégoûtez. J'aime encore mieux les autres. Ah! Ma femme est morte. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Tu n'iras pas loin, la porte est fermée. Il faudra bien qu'il l'ouvre. Garçon! Et moi, je vous dis qu'ils l'ouvriront. Je ne peux plus vous supporter. Je ne veux plus. Oh, va-t'en, va-t'en, tu me dégoûtes encore plus qu'elle. Tu es moi, tu es molle. Garçon, je t'en supplie, ne pars pas. Je ne te parlerai plus, ne laisserai tranquille, mais ne pars pas. Mais ouvrez, ouvrez donc! Je ne veux pas rester seule avec elle! Oh, démoule-toi, je ne t'ai pas demandé de venir! Lâche, lâche! Oh, c'est bien vrai que tu es un lâche! Eh bien, ma chérie, tu es contente? Il s'en va, trouble fait. Mais ouvrez, ouvrez! Tu vas me laisser entre femmes. Si cette porte s'ouvre, je m'en vais! Avec lui, mais il ne veut pas de toi. J'en trouverai bien un autre. Il n'y a plus d'autre pour toi. Plus personne, sauf moi. Mais ouvrez! Mais ouvrez donc! J'accepte tout! Les bretelles, les tenailles, le plomb fondu, le vitriol. Je veux souffrir pour de bon. Ouvrez-moi. Mais ouvrez! Mais ouvrez-moi! Eh bien, garçon, allez-vous-en. Non, courageux, mais pas téméraire. Nous nous en doutions, figurez-vous. Je me demande pourquoi cette porte est ouverte. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, allez vite. Allez vous promener, allez faire un petit tour. Je ne sais pas où ça va, mais ça va loin. Je ne m'en irai pas. Et toi, Estelle? Alors, lequel? Lequel des trois? Il n'y a pas d'amateur. C'est à mourir de rire. Nous sommes inséparables. Garçon, moi! Où sont-les là? Ferme-moi la porte! Estelle, je t'en prie! Garde-moi! Pas dans ce couloir! Pas dans ce couloir! Garçon, tu m'aider! Lâche-la! J'ai dû parler. Je veux qu'il s'en aille! À quoi ça vous avance, tout ça? Vous pouvez pas discuter gentiment? Ah oui, si.
On s'arrange toujours que les sujets de conversation manquent pas entre les gens qu'on met ensemble. Parce qu'on choisit. Ah, oh, ben forcément. L'enfer, c'est un peu comme le mariage. On réunit pas n'importe qui, le résultat serait pas bon. Oh, le vieux est malin. Quel vieux? Oh, ben le patron. Bon, voilà, alors j'enferme la porte. Pourquoi? Ben, pour rien. Ah, oh, si vous voulez, je peux la laisser ouverte. Mais ça servira à rien, puis vous aurez 10 fois plus chaud. Ben, ça vaut rien. Alors? Vous pouvez la fermer. Oh, je crois que c'est mieux. Hein. C'est plus intime. En plus, vous verriez personne, remarquez. Non, mais vaut mieux que vous soyez entre vous. Ça y est? Ben, voyez, ma petite dame, c'est pas la peine de vous faire de la bise. Ben, vous l'avez bien dit que ça ne durerait pas longtemps. Maintenant, vous allez être tout ce qu'il y a de tranquille. C'est fini, le cinéma. Là-bas, on parle plus de vous? Déjà? Ça, on a raison de dire que les morts vont vite. Ça, les Maccabées, ça cavale. On les rattrape jamais. Mais c'est affreux. Il y en a que ça arrange. Oh non, croyez pas ça. Ici, rien arrange rien. Tout est prévu, c'est réglé comme un papier à musique. Tiens, donnez-moi un petit coup de main. On va le remettre en place. Allez, oh. Il est bien aimable, ce garçon, hein? On n'aurait pas dit ça au début, mais il se fait, quoi. Ça doit être le milieu. La bonne compagnie. Ça, vous voyez, même ce truc-là, j'y comprends rien. Ça, c'est fait exprès. C'est fait! Vous allez réveiller les morts. Oh, pas de danger, ceux qui sont ici, ils dorment jamais. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, comme vous, rien. Ils parlent de choses et d'autres, quoi. Je vais quand même voir pour cette sonnette, ça m'occupera toujours un peu. Ah, on va, on vient, on n'arrête pas. Mais c'est une maison où il y a de l'ordre. Oh. Vous vouliez me parler? Oui. Tu n'as rien à lui dire? Si. Si je suis resté tout à l'heure, c'est à cause d'elle. Elle est bien bonne. Il est resté parce qu'il avait la frousse? Non, je suis resté pour te convaincre. Là-bas, ils en ont fini avec moi, fini. L'affaire est réglée. Je ne suis plus rien sur la terre. Même plus un lâche. Inès, nous sommes seuls. Il n'y a plus que nous deux pour croire en moi. Elle ne compte pas. Quelle galanterie! Mais toi, toi qui me hais, si tu me crois, tu me sauves. Ce ne sera pas facile. Regarde-moi, j'ai la tête dure. J'y mettrai le temps qu'il faudra. Oh, tu as tout le temps. Écoute, chacun son but, n'est-ce pas? Moi, je me foutais de l'argent, de l'amour. Je voulais être un homme. Un dur. J'ai tout misé sur le même cheval. Et le cheval est allé dans les choux. Allons, allons, un peu de courage. Je ne demande qu'à être persuadée. Cherche des arguments, fais un effort. Je t'avais dit que tu étais un lâche. Tu es un lâche parce que je le veux. Je le veux, tu entends? Je le veux! Tu peux essayer de m'étrangler, c'est impossible. Et puis qu'est-ce que ça changerait? Je pense que tu es un lâche. Tu n'as pas le choix. Il faut me convaincre. Je te tiens, garçon. Quoi? Venge-toi. Comment? Embrasse-moi. Tu l'entendras chanter. C'est pourtant vrai. Inès, tu me tiens, mais je te tiens aussi. Oh, lâche, lâche! Va te faire consoler par les femmes! Chante, Inès, chante. Serre-moi plus fort, garçon, elle en crèvera. N'y comptez pas, c'est déjà fait. Embrasse-moi. C'est bon, l'amour. Hein, garçon? Quel dommage que je sois là! Ne l'écoute pas. Donne-moi ta bouche. Oh! Garçon, le lâche tient dans ses bras Estelle, l'infanticide! Je vous vois! Je vous vois! À moi seule, je suis une foule! La foule! Garçon, l'entends-tu? Lâche! 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 Tu vois, Estelle, tu ne l'auras pas. Il ne fera donc jamais nuit? Jamais. Tu me verras toujours? Toujours. Allez, je vous l'ai dit. Tout est prévu. Je comprends que je suis en enfer. Ils avaient prévu que je me tiendrais devant cette cheminée.
pressant ma main sur ce bronze. Avec tous ces regards autour de moi. Tous ces regards. Vous n'êtes que deux. C'est vrai. Vous n'êtes que deux. Alors c'est ça l'enfer. Je n'aurais jamais cru que c'était si simple. Vous vous rappelez le soufre, le bûcher, le grill. Oh, quelle plaisanterie. Quelle bonne blague. Pas besoin de grill. L'enfer, c'est les autres. Mon amour. Non, non, laisse-moi, elle est entre nous. Mais ce n'est qu'elle. Je ne peux pas t'aimer quand elle me voit. Eh bien, elle ne nous verra plus. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Tu es folle. Tu sais bien que je suis morte. Morte? Morte! 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 C'est déjà fait, comprends-tu? Et nous sommes ensemble pour toujours. Oh, mon Dieu, c'est drôle. Pour toujours. Eh bien, continuons.